Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera un haul Nocibé et Sephora. Je vous mets les deux magasins ensemble parce que tout simplement j'ai pas acheté grand chose. Voilà, c'était la semaine dernière que j'ai fait les magasins. Là on est le 19 novembre. Bientôt mon anniversaire. Bref, 19 novembre et du coup voilà. Donc j'ai pas pris grand chose à Nocibé, j'ai pris que deux mousses de douche rose huile d'argan. Donc ça c'est mes mousses de douche préférées, j'adore les mousses de douche. Ça sent hyper bon, la rose et l'argan si vous aimez. Franchement foncez, c'est les 200 ml. Par contre ils coûtent un peu cher chez Nocibé. Moi en général quand j'en prends c'est que j'ai les 25%. Je les prends, ça les rend entre 3 et 4 euros je crois. Sachant que de base ça vaut presque 7 euros. Donc c'est plutôt sympa de payer ça moins cher. Donc je vais vous dire le prix de base. Comme ça je vais remettre les produits, enfin les deux mousses de douche dans mon petit sac. Pour pouvoir les mettre dans ma salle de bain après. Voilà. Donc du coup pour les deux mousses de douche. J'en ai mis pour c'est 6,95 l'unité. J'ai eu moins 40% sur le deuxième, donc j'ai eu 2,78€ en moins, donc j'ai payé 4,17€ les deux. Voilà. Ensuite j'ai pris une carte cadeau, voilà, donc très bien emballée, il y a la carte cadeau dedans pour offrir à Noël. J'ai pas mis forcément de mou, mais ce sera pour offrir à Noël. Du coup j'ai eu un petit bon de 25% jusqu'au 26 décembre. Donc ça peut être bien si t'as des cadeaux de Noël à faire de dernière minute, ça peut être sympa. Et ensuite j'ai eu le 1 million. Je pensais que c'était l'un des nouveaux, mais en fait c'est le 1 million. Attendez, faut que je le mette à l'endroit. Du coup j'ai eu le 1 million, mais celui que j'ai déjà en fait c'est celui là Mais bon, après un petit format ça peut être sympa, comme ça au moins tu peux l'avoir sur toi, donc ce qui est plutôt sympa. Donc ça voilà, je regrette pas non plus de l'avoir eu parce que c'est toujours sympa comparé à Yves Rocher qui donne plus d'échantillons. Là au moins t'as un petit échantillon de parfum, c'est toujours sympa à avoir. Ensuite je vais passer chez Sephora, donc vous voyez ça va aller très très vite. Donc chez Sephora j'ai le ticket, un énorme ticket pour pas grand chose. Donc je vais vous donner du coup les prix au fur et à mesure. Donc je me suis pris des lingettes à 5,99€. Donc c'est excessivement cher, oui je vous l'accorde. Mais c'était un jour où j'avais envie de faire les magasins, me prendre des trucs pour me faire plaisir. Donc j'ai voulu me faire plaisir, je les ai pris à la coco en espérant que ça sente bon. Parce que ça vous coûte quand même 5,99€. Il y en a plein sur YouTube qui les prennent en promotion parce qu'il paraît elles sont bien. Mais en promotion du coup ça vaut au moins 2 ou 3 euros en promotion. Surtout que t'as pas beaucoup de lingettes. T'en as 20 lingettes à l'intérieur. T'en as même pas 25. Donc voilà. J'ouvre pour sentir, ça sent plutôt bon. Donc à voir si ça si ça fait bien l'affaire, si ça démaquille bien. Moi en général quand j'en prends c'est quand j'ai la flemme ou quand je suis pas chez moi. Je prends une lingette, je me démaquille, hop c'est fait. Voilà, moi je suis team lingette, j'aime bien de temps en temps. Quoique j'en utilise pas énormément non plus parce que j'aime bien aussi me maquiller avec une micellaire. Donc voilà, c'est quand même excessivement cher. Donc j'espère que ça va bien faire le taf parce que c'est quand même 5,99€. Donc j'espère que ça va faire bien le taf. Et si ça fait bien le taf, je les prendrai en solde. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pris ceci qui était à 9,99€. Donc ça fait partie de la collection de Noël de chez Sephora. Du coup, je suis passée à Sephora, donc c'est lingette Sephora. Donc j'ai pris un petit kit Sephora, donc il y a un crayon noir chez Sephora et un rouge à lèvres de chez Sephora. J'ai regardé, j'ai pas le rouge à lèvres, je vais vous montrer. Donc pour 10€ ça va encore parce que le rouge à lèvres il est à, je sais plus à combien il est le rouge à lèvres, il a plus de 10€ je crois le rouge à lèvres. Et là c'est un rouge à lèvres, je sais même pas si c'est la taille format vente. Attendez, je vais regarder, je les ai juste appliqués normalement. Sephora, ah si c'est taille vente, plus celle-là. Donc c'est taille vente, moi j'en ai deux. Alors attendez, je vais vous montrer lequel que j'ai. Désolée, hein, vous ne voyez plus, mais je suis à côté. Moi j'ai ces deux-là déjà.
Donc deux violets. Et du coup, j'ai pris celui-là. Qui, je sais pas si vous allez bien voir. Celui-là qui est beaucoup plus foncé que l'autre. Donc plutôt sympa. Voilà, ils sont plus foncés que les deux violets. J'aime bien les teintes violettes. Mais je me suis dit celle-ci, pourquoi pas. Après, c'est pas la... C'est pas... Quand vous regardez la couleur qu'ils mettent sur le là, et la couleur à côté, c'est franchement pas la même. Là, tu dirais un cuivré, hop, sur la photo, et là, et là, c'est pas du tout un cuivré, c'est même un mat. Alors, est-ce qu'il le marque, c'est mat ou pas? Un produit taille standard et un produit taille mini. Non, il n'a pas forcément, mais peut-être là-dessus qu'ils... Non, je sais pas. Bref, je m'attendais à un cuivré et en fait, j'ai pas un cuivré, mais bon. Ça devrait le faire, j'en ai pas beaucoup de gloss, vous inquiétez pas. Je sais que j'en ai pas beaucoup, donc j'en ai pas une tonne, donc regardez, ma petite collection de gloss, j'en ai pas beaucoup. Donc ça, ça va très bien faire l'affaire, donc voilà. Donc je voulais juste vous montrer pour faire un petit cadeau, c'est sympa. En plus, il y a le crayon noir et tout qui peut être sympa. Format mini, crayon noir, donc ça peut être bien. Si, parce qu'en fait, en crayon noir, y en a, on en a tout le temps. Donc voilà, un format mini, c'est plutôt sympa. Donc voilà le duo. Qui est plutôt sympa pour 10€. Parce qu'en plus, je crois que le gloss Sephora coûte un peu plus de 10€. Donc pour l'instant, je le laisse dedans parce que je ne sais pas du coup... Je sais pas si je vais garder ou je vais offrir. Donc pour l'instant, j'en sais rien. J'ai pris ça parce que j'avais envie de prendre ça. Donc 9,99€. Et ensuite, j'ai pris du coup une petite pochette à 1€ comme ceci. Parce qu'ils vendaient des petites pochettes. J'ai trouvé ça trop mignon pour offrir. Donc voilà. Je pense que quand j'aurai mes sous là, à la fin du mois, j'en rachèterai. Parce que ça peut être sympa pour des cadeaux même dans l'année. Même si écrit Sephora, c'est pas grave, hein. Ça peut toujours être sympa pour faire des petits cadeaux dans l'année. Voilà, si vous avez des anniversaires ou autres, c'est plutôt sympa de faire des petits cadeaux là-dedans. Donc ça, c'était 1€. Donc je trouvais ça pas très cher parce qu'en plus, c'est en tissu et tout. Donc c'est pas excessivement cher. Il y a quand même pas mal de place à mettre. Donc même un petit truc comme ça dedans, je pense que tu peux mettre dedans. Ah non, même pas. Bah, tu mets juste les deux produits dedans et puis ça peut être sympa, hein. Après, normalement, je pense que ça peut... Si tu fais Tetris, je pense que ça rentre. Ouais, faut juste le mettre... Forcer un peu et le mettre à l'envers. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, tu fais un peu, tu fais Tetris et tu peux mettre... À l'envers... Et bah ça ferme pas, mais bon voilà, tu vois ce que je veux dire quoi. Donc voilà, on met juste les deux produits dedans, donc ça peut être sympa. Et ensuite pour seulement 2€, j'en ai un, mais beaucoup plus grand. Alors je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand, beaucoup plus grand, donc pareil, le même système, hein. Du coup il est deux fois plus grand et ça a coûté 1€ plus. Je vous montrerai à peu près la taille des deux. Et celui-là, il m'a coûté 2€. Donc, comment vous dire qu'il n'a rien coûté du tout. En plus, vous pouvez mettre les cadeaux dedans. Moi, je pense que je vais y retourner. Parce que je vais faire des cadeaux, du coup, pour ma cousine. Je ne sais pas si elle va passer par là. Mais je pense que ça peut être sympa. Parce que je leur ai fait plusieurs petits paquets. Et je pense que même pour mes cousins, au moins, ils auront chacun leur truc dedans. Et au moins, ils pourront chacun... Je mettrai leur prénom sur une petite étiquette comme ça, tu vois. Je mettrai leur prénom et au moins, ils pourront piocher chacun dedans. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc, franchement, je pense que j'irai en rechercher... Ils sont 4. J'irai en chercher 4, je pense. Bon, ça fait quand même un prix 4. Ça fait 2, 4, 5, 6. Ça fait quand même 8€. Mais bon, voilà. Après, je pense que ça peut être sympa. Sachant que je leur ai offert minimum 2 cadeaux par personne. Donc, c'est des petits cadeaux pas très chers. Mais... minimum 2 à 3 cadeaux par personne, parce que du coup il y a les enfants, donc les enfants auront peut-être un peu plus de cadeaux que les parents, et encore les parents ils en ont aussi, mais voilà, je pense que ça peut être plus pour le grand, je pense que ça peut être sympa. Je pense que j'irai en chercher 4 autres pour faire ça. En plus je fais un envoi postal, donc
Donc ça, dans un carton, ça peut bien faire et tout avec, bah, avec pas mal de papier bulle et tout ça dedans. Mais je pense que je vais faire ça. Parce que ça, au départ, les deux là, si vous voulez, je les ai pris pour moi en fait, au départ. Je les ai pris pour moi parce que moi, je kiffe tout ce qui est sachet, machin et trucs. Et je me dis qu'on veut toujours ranger des trucs. Mais là, je pense que du coup, je vais en reprendre deux ou trois. Je vais en prendre quatre, peut-être cinq. Comme ça, j'en aurai un autre. Et au moins, je pourrai offrir des trucs. Peut-être reprendre des petites pochettes. Bah, peut-être pas le même jour parce que ça va faire beaucoup, quoi. Ça va faire cher. Donc voilà. Donc j'ai pris tout ça. Du coup. Et j'ai eu un cadeau aussi. Parce que du coup, c'est carrément un cadeau. Excusez-moi, la fenêtre, elle est ouverte. Je vais la fermer du coup. Parce que je sens qu'ils vont papoter pendant 10 ans. Donc ensuite pour le dernier produit, du coup, j'ai eu le J'adore de Dior en cadeau. Donc plutôt sympa. Je sais pas si lui je l'aime bien. Je crois que je l'aime bien, mais je suis pas sûre. De toute façon, moi au pire des cas, les échantillons en général, maintenant, je ne m'enquiquine plus. Tout ce qui est échantillon que je n'aime pas en niveau parfum. Soit j'en passe à ma maman, j'en file à ma maman. Ou ce que je fais carrément, c'est que je les mets sur Vinted. Je les mets pas sur Vinted. Mais quand j'ai des achats Vinted, j'en mets dedans. Donc je mets toujours des petits échantillons dedans ou des petits trucs que j'ai à côté. Voilà, si je mets rien dans les trucs de Vinted, c'est vraiment que j'ai plus rien. Mais en général, j'essaie toujours d'avoir des petits échantillons comme ça à mettre à l'intérieur. Donc c'est plutôt sympa pour ça. Donc voilà, donc j'espère que du coup, moi, la vidéo vous aura plu. Je vous ai tout montré de ce que j'avais acheté. J'ai pas acheté grand-chose. J'en ai eu pour... Là, j'en avais eu pour Sephora 18,99 et Nocibé 20 balles, un truc comme ça, parce que j'ai pris une carte cadeau. Donc voilà, pour une trentaine d'euros. J'ai pas grand-chose non plus, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà. Mais du coup, j'ai quand même quelques petits trucs qui sont plutôt pas mal, genre les mousses de douche sont plutôt pas mal et ce petit cadeau-là est plutôt pas mal. Je sais pas si je vais faire un cadeau ou quoi parce que je voulais l'offrir à ma cousine mais je ne sais pas si elle met du rouge à lèvres. Donc voilà, à voir. Je lui posais la question si elle met du gloss. À voir parce qu'après la teinte, je sais pas si ça va lui plaire ou quoi. Donc vraiment à voir. Au départ, je me suis pris pour moi. Mais en fait, pourquoi pas le prendre pour moi mais... Je m'attendais à un cuivré et non à un rose pâle en fait. Donc voilà. À voir, je sais pas. Je lui offrirai peut-être, je vais lui demander après si elle aime bien ou pas les gloss. Et voilà, je lui demanderai parce que du coup, vu que ses enfants ont quand même pas mal ils ont pas mal de cadeaux. Du coup. Voilà. Donc je verrai bien. J'espère juste qu'elle va pas regarder la vidéo avec les loulous. Voilà, bref. Donc voilà, pour lui faire un petit cadeau, ça peut être sympa. Voilà. Je vais pas dire plus parce que voilà. Mais voilà, ça peut être sympa. Donc à voir, je verrai ça. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si ça vous plaît. Donc du coup ça peut être clairement être une idée de cadeau. Les cartes cadeaux aussi, n'hésitez pas. Moi cette année, j'avais pas envie de me casser le cul pour être honnête avec vous. Là j'ai pris une carte cadeau. Maintenant quand je sais pas ce que je veux offrir, maintenant je prends une carte cadeau. Voilà, je m'enquiquine plus, je prends une petite carte cadeau. Je mets 10 ou 20 balles dessus et voilà. Parce que sinon, à chercher, te tracasser à chercher ce que tu vas prendre et tout, non voilà. Et puis en plus quand tu connais pas trop les personnes, vaut mieux prendre des cartes cadeaux, au moins t'es tranquille, ils vont se faire plaisir avec. En plus ils vont pouvoir mettre au bout, s'ils veulent un truc, je sais pas, à 20 balles, ils vont pouvoir en mettre 10 balles avec. Donc voilà, 10 ou 20 balles avec, tout dépend de la carte cadeau. Mais voilà, franchement ça peut être sympa. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous à me dire si ça vous plaît. Je n'hésiterai pas à vous faire des vidéos comme ça, si j'ai des cadeaux de Noël qui passent et tout, pourquoi pas. Là j'ai acheté un cadeau de Noël aussi. Enfin, pas forcément des cadeaux de Noël, mais pour des cadeaux à faire. Donc voilà, donc j'ai pas mal de choses de cadeaux que je peux vous montrer aussi. Donc voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale cadeau, je sais pas. Parce qu'il y a des cadeaux que j'ai déjà emballés, donc j'aurais peut-être dû penser, peut-être dû pas les emballer et vous les montrer après. Donc je sais pas. Peut-être que je vous ferai ça, moi je m'en fous, le papier cadeau, il m'a pas coûté très cher. Mais peut-être que je vous ferai ça, je vous ferai peut-être une vidéo des cadeaux.
que je vais offrir, peut-être. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait de vous montrer les cadeaux que je vais faire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire les petits pouces bleus. De toute façon, en général, vous allez les voir passer, hein, les cadeaux, parce que je pense que du coup, bah là, il y a un cadeau que vous n'allez pas voir, mais il y a des cadeaux que vous allez certainement voir. Donc voilà, on verra bien. Enfin bref, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Moi personnellement, ça m'a fait extrêmement plaisir d'aller chez Sephora et chez Nocibé parce que ça fait au moins 2 mois, si c'est pas plus, si c'est même pas 3 mois que j'ai pas été à Sephora ni Nocibé. Donc voilà. Là, je sais qu'en général, quand c'est les périodes de Noël et tout, j'y vais un peu plus. Bon, cette année, j'irai pas beaucoup plus que l'année dernière. J'irai même moins que l'année dernière parce que du coup, bah, j'ai moins d'argent que l'année dernière. L'année dernière, bah, j'avais travaillé beaucoup plus. Donc j'ai pu me faire beaucoup plus plaisir, beaucoup plus plaisir à ma famille, à mon entourage. Là, cette année, ce sera vraiment des petits cadeaux, des petites bouibouines. Voilà, des petits cadeaux pas très chers, quitte à en donner plusieurs, à en faire plusieurs. Voilà, mais bon, après, on n'a pas trop le choix, mais bon. Voilà, en espérant que les autres années soient mieux. Voilà, c'est ce qu'on dit tous les ans, en général. Mais bon, voilà, enfin bref, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!